Diplômée en droit des affaires de la Sorbonne et de Sciences Po en France, Angèle Mokombo a écrit de nombreux articles sur les questions sociopolitiques en République démocratique du Congo, RDC, et a longtemps soutenu l'éducation des filles issues de familles à faible revenu à Kinshasa. En août 2022, Angèle Mokombo a entamé les fonctions de secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC. Je suis donc secrétaire exécutive adjointe en charge de l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est vraiment la clé. L'intégration régionale, c'est un outil. L'intégration régionale, c'est une volonté politique pour développer toute région et notamment la SADC. C'est vraiment la clé. L'engagement de Angèle Mokombo est marqué par une profonde volonté de transformer positivement la société congolaise et africaine de manière générale à travers des politiques novatrices et inclusives. Saisissez l'occasion pour pouvoir suivre ces grands moments, pour vous édifier, pour vous enrichir et pour permettre justement de cesser d'être peut-être des spectateurs de la vie nationale, de la vie publique et devenir de véritables acteurs. Des acteurs qui peuvent faire des propositions, en plus des critiques peut-être, peuvent interpeller les gouvernants. Au service des Nations Unies, durant près de 24 ans, Angèle Mokombo a œuvré sur la prévention et la résolution des conflits en Afrique et sur le développement des institutions. La présidente de la Ligue des démocrates congolais s'est portée candidate aux élections présidentielles de 2011 et 2018 en RDC.